رومون يختار تنجري خيارو كورون بايسا شوتي وطخات فوخ رومون يختار تنجري خيارو كورون بايسا شوتي وطخات عمر Au début de la semaine, les loups ont égorgé deux moutons et en ont blessé un troisième. Muksasat, 16 ans, est chargé de vérifier matin et soir que la plaie du survivant cicatrise normalement. Mais dans la journée, il faut bien que le troupeau de moutons et de chèvres Angora s'éloigne de la yourte à la recherche des quelques brins d'herbe émergeant de la mince couche de neige. Nous les escortons à cheval. Aujourd'hui, il fait beau. Inutile donc la paroi de glace érigée pour protéger la yourte des vents du nord. Les enfants, bien avant les adultes, ont le pressentiment du printemps qui revient. Lorsqu'approche le soir, Tumo, le petit frère de Bouya, sait qu'avec Tsogbaya, son père, il a pour mission de ramener la manade d'une centaine de chevaux à demi sauvages. À 5 ans et demi, il monte comme personne et les poulains ne lui résistent pas plus que les hongres ne résistent à l'ourga, la longue perche mongole terminée par un lien de cuir à l'ourga de Tsogbaya, son père. Regardez bien, voici le charbon mongol, bouse de vache et crottin séché. Chaque jour, nous faisons avec Bolto, le beau-frère de Tsogbaya, le tour du campement à la recherche de la moindre déjection oubliée. En l'absence de tout arbre ou arbuste, comment transformerait-on sinon la glace en eau? À la qualité du crottin et des bouses, on juge une famille de nomades mongols. Mais pas trop compter sur les crottes de bique, trop éphémères. Deux fois par mois, environ, on tue un mouton, on le fait longuement bouillir, puis on le découpe. Une partie est aussitôt consommée, le reste est stocké en congélation à l'extérieur. Ensuite, pour faire réchauffer les morceaux de viande, il suffit tout simplement de les tremper dans un bon thé au lait salé, d'accompagner le tout de boats, raviolis au mouton, typiquement mongol, et ensuite d'arroser tout ça de lait de jument fermenté ou de vodka mongol obtenu par distillation de ce même lait de jument. En n'oubliant pas, bien sûr, d'en offrir une solide lampée aux esprits du panthéon bouddhiste sans la protection desquels aucune vie ne serait possible dans la steppe de Mongolie. La vie dans la steppe mongole n'a guère changé depuis Genghis Khan, surtout en hiver. En croire les rares documents d'époque, le harnachement ressemblait déjà à celui d'aujourd'hui, les chaussettes et les bottes aussi. Et déjà, le cheval était le premier compagnon de l'homme et la première torture du petit homme. Ces images sont rares, d'abord parce qu'il n'est pas si fréquent de voir une famille semi-nomade accueillir en hiver des visiteurs inconnus, ensuite parce que, faute d'alimentation électrique, mieux vaut avoir prévu un stratagème si on ne veut pas devoir renoncer à sa caméra, batteries à plat, après une petite semaine de tournage. Si le dressage des jeunes chevaux ne ressemble guère à celui pratiqué en Amérique ou en Camargue,
c'est qu'il n'existe ici aucun enclos dans lequel on puisse enfermer le cheval pour l'amener à récipiscence. La corde, l'ourga et la patience constituent les seuls recours pour venir à bout de l'animal, indépendant par nature, et Dieu sait que la nature ici est du genre indomptable. Pourtant, conquis par la volonté de l'homme, par sa délicatesse aussi, le cheval deviendra bien vite non seulement l'instrument efficace du travail quotidien, mais aussi le compagnon de jeu des petits et des grands. On n'est jamais seul dans la yourte. D'abord parce que la famille est généralement nombreuse, ensuite parce que les travaux ménagers, souvent confiés aux enfants, nécessitent d'autant plus de bonne volonté que tout se fait à la main. À la nuit tombée, et elle tombe tôt en hiver, tout le monde se retrouve dans l'unique pièce circulaire que constitue la yourte. On joue aux cartes, on rafistole ici ou là, et surtout, on chante. Car le chant est avec le cheval le meilleur ami des nomades mongols. Venu à cheval à la seule lueur de la lune, les visiteurs sont nombreux. Même s'ils vivent à 20-30 km les uns des autres, parents et amis se réunissent à l'occasion des fêtes plus ou moins officielles. Et elles sont légion. C'est bien sûr à cheval que les invités repartent pour leur propre campement, même si chaque yourte possède au moins deux objets achetés à la ville, un fusil pour chasser les loups et une moto pour aller chercher du secours ou amuser les enfants lorsque le temps et les maigres réserves d'essence le permettent. Un jeu qui amuse davantage les passagers que les spectateurs. S'il y avait sur la lune de la vie et de la neige, c'est à cela qu'elle ressemblerait.